مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم الآن في متابعة لحلقة جديدة من برنامج لاليوكو. وفي برنامج لاليوكو اليوم يوم الجمعة، البرنامج يكون مزدوج باللغة العربية واللغة الفرنسية. وفي باللغة الفرنسية معي زميلتي ماريلا. صباح الخير ماريلا. بونجور مصطفى، كيف الحال؟ الحمد لله سافا فوزالي بيان. الحمد لله. فمشاهدينا، فقبل أن نذهب للتمرين الرياضي نذكركم بأن معنا داخل استديو ضيف الحلقة السيد رتوان محمد دونغا كريستيان، وزير الشباب والرياضة الأسبق ومؤسس ورئيس مجلس الشبكة الشبابية من أجل التنمية والقيادة في تشات، اختصارا RGDTLT. وكذلك معنا عبد الشكور السيد، وهو مسؤول التنمية في شركة موف أفريقا. أهلا وسهلا بكم جميعا. فنرجع لكم، عندنا دائما نشاهد الرياضه، نشط جسمنا، بعد نجو نباتر الدي سي جي ان شاء الله. فمشاهدينا نتابع الرياضه من ثم نرجع. Merci, chers téléspectateurs. Et voilà, tout le monde a apprécié quand on fait du sport et ça nous aide sûrement à nous relever, n'est-ce pas Mustapha? Okay. Vous l'avez bien apprécié également, ainsi que nos invités. Et sachez que le programme de la journée se présente comme suit. Nous avons l'invité du jour, il s'agit de Mohamed Dounga Christian Routouan, ancien ministre, il est l'actuel PCA du réseau de jeunes pour la citoyenneté. Et là, avec lui, nous allons amplement nous entretenir sur les activités réalisées. Il est accompagné de Abdel Shakour Assaïd. Bonjour. Et ensuite, en développement, Bichara Drep sera là pour nous parler de la promotion de la cohabitation pacifique entre éleveurs agriculteurs. Entrepreneuriat, Salé Dacosta qui va nous parler sur le défi de l'importation et la commercialisation des poulets naturels. Abdelhakam Ahmad, lui, il va nous entretenir sur l'importance de l'apprentissage de la langue anglaise, et c'est en arabe, et en métier, le célèbre coach Abakar. N'est-ce pas نعم ماريلا، أكيد هذا هو برنامجنا لهذا اليوم، لكن قبل ذلك نبدأ بفقرة ضيف الحلقة، لكن بعد الفاصل القصير. Chers téléspectateurs, une fois de plus, rebonjour et bienvenue à votre émission Les Matinales Lalikou. Comme nous l'avions annoncé au début, l'invité du jour, c'est l'ancien ministre Mohamed Dounga Christian. Il est le PCA du projet Jeunes Vacances et Citoyenneté. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous n'êtes pas seul ici, vous êtes accompagné d'Abdel Shakour Assaïd. Ça va, Abdel Shakour? Ça va bien. Merci de vous accueillir sur le plateau de l'Aleco. Merci beaucoup. Et d'accord. Et là, je reviens à vous, monsieur le ministre. Vous avez lancé, en date du 10 août dernier, le projet Jeunes Vacances et Citoyenneté. Et c'est le réseau des jeunes pour le développement au Tchad. C'est quoi? D'où est venue l'idée? Et parlez-nous également la date de sa création. La création du réseau des jeunes, oui. N'est-ce pas? Bien évidemment. Oui. Alors, le Réseau de jeunes pour le développement et le leadership au Tchad est le fruit d'une réflexion qui a commencé dans les débuts des années 2015, ouais. Où nous faisions face à plusieurs défis. Mm-hmm. Défis d'employabilité des jeunes, défis même de pouvoir s'affirmer en tant que jeune sur des questions liées au développement du pays ou encore à la participation des jeunes dans tout le processus qui est en cours, que ce soit politique, socio-culturel ou environnemental. Oui. C'est avec un groupe de jeunes, dont au moins 18 différents jeunes, qui sont venus chacun avec des ambitions ou encore des champs d'action assez différents. Il y a des jeunes qui étaient plus dans l'environnement, ceux qui étaient dans le ICT. Oui. Et ce qui nous motivait le plus, c'était pouvoir accomplir quelque chose pour notre pays. Et nous nous sommes mis ensemble, nous avons donc créé donc, le réseau de jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. C'est parce que nous avons constaté que sans accompagnement, sans appui et sans
orientation, nous pouvons échouer tous. Nous avons donc décidé d'offrir à nos frères ce que nous n'avons pas pu avoir peut-être dans notre développement. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là que le groupe de jeunes s'est mis. Et nous avons eu notre autorisation en octobre 2015. Ouais. Et avons commencé immédiatement les activités. Ça fait pratiquement 8 ans. Justement, 8 ans d'existence du RJDLT. Ouais. Donc le 24 octobre prochain, nous allons donc célébrer ces 8 années d'existence du RJDLT. Et pourquoi un tel projet pour les jeunes de N'Djamena? Alors, le projet que le RJDLT porte et qui a été lancé depuis le 10 août est le fruit d'une réflexion également entre nous. Nous avons décidé, je pense, entre le 2 août, nous étions là en réflexion parce que nous travaillons toujours, nous concevons toujours nos projets ensemble. Donc, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes pendant ces vacances? Mais c'est uniquement en N'Djamena ou bien les activités s'étendent également dans nos provinces? Alors, le projet Jeunes Vacances et Citoyenneté est dédié uniquement en N'Djamena pour cette édition. Mais nous avons également au moins 4 autres projets qui vont parcourir Bangor, Guéra, donc à Mongo, ils vont aller à Sar, ouais. Et Mundu. Ça, ce sont pour le parcours citoyen. Ça, c'est un autre projet, mais ce projet actuel est dédié pour N'Djamena. D'accord. Le réseau de Badamin, en 2015, en tant qu'autorisation, c'est Cheikh Ghalin Khalas. Il a fait le projet de la santé lancée. Il a fait le projet de la santé lancée. Le projet de la santé période de vacances. كثير ولا يمشي يشربوا ميريسي ولا يلعبوا ولا يفتش عوين او ما يرسبكتي سانتي دي ريبرودكسيون اغوم او غادين اوازيف دو هانينا شاورنا او هجينا نقدروا نسو شنو دي اوكيبي جندا وا هانينا غادين كل في بروسيسوس انا ترانزيسيون انا بلد هو شباب رول حق شنو قاعد سي في ترانزيسيون هذا ودابا شاورنا عندنا نسو اكتيفيتي عندنا فرا شيك سبور كولتور فورماسيون لي دوكا زياده مننا كله لي يقعدوا اكتيف بندا بيريود انا 50 جور دا و يالغو فاكانس اليوتيل فاكانس ما يقعدوا بلا شيء سو في حياتهم. اوكي وفي بروجي دي شنو الجايد comme activité de sauver ce projet là. Activité da indina sport, fi sport da indina football, indina basketball, handball, indina pétanque kamal, wa indina fi culture da indina danse, musique, yabada le samedi le 26 da wa indina formation no yala fi innovation, fi robotique, peinture. Oh, il y a une caravane qui fait le bal. Il est, nous sommes arrondissement par arrondissement, nous sommes sensibilisés. Je ne sais pas, fille P, on a fille AAV, c'est ça. On a un balada, on a un kiké fouma en tant que chabab yak duro. Il est chulu, hayatum fi denum, wa iso aïche idoro. C'est bien. Je sais, Adil Marrawet, quand Biga voulait réaliser, il y a Adil Marrawet, chabab de. يحتاج لشيخ ولا مش ولا يتعمم كيف يسنسبيليزيهم من ده بزالين ناس يحتاجوا في وقتنا ناس لا داسي اوكي لا نو ريفينو ا عبد الشكور سعيد vous êtes le partenaire numéro 1 du réseau et quel est votre rapport? Bon, en fait merci beaucoup et en tant qu'entreprise citoyenne, nous notre devoir c'est d'accompagner toutes les initiatives. Donc, nous avons accompagné le réseau sur le plan communication et sur certains points pour le coaching. Ouais. Et beaucoup plus, c'était sur la communication. Mm-hmm. À travers nos différents canaux de communication, que ce soit le côté digital, que ce soit les SMS, que ce soit sur la visibilité. Donc, nous avons mis toutes ces structures pour pouvoir accompagner les réseaux. Adil, c'est un peu de choukour.
الآن دعمتم شبكة شبابية. يعني الناس كثيرة اليوم بيحتاجوا للدعم ده. كان النادي مقدر يوصل لمو أفريقيا، كيف يوصل لكم أنتم؟ طبعا أنينا مثل الكلام كلمت أنينا شركة وطنية و الأسوسيسيون ولا مجتمع هذا كان داير إيد يسي جوست ديمان ديمان أنا سبونسورينغ تي أدريسي لي ديريكسيون جينيرال و أبري أنينا دو أسوسيسيون دا نقعدو نشوفو بيزون حاجة شنو دونك نشوفو بيزون حاجة و ان سي مومون نخطو لو الشغل اللي هو يدوره ومرات نساعدو كان مرات يدوره فورماسيون في الدومين انا تيك انا تيليكومونيكاسيون دونك تو سا نساعدو فوقا. جميل. D'accord, là, monsieur le ministre, en écoutant parler Abdel Shakour, c'est comme s'ils sont là, ils sont toujours aptes à accompagner le réseau. Mais êtes-vous vraiment satisfait de leurs prestations? Prestations en tant que téléphonie ou. Oui, bon, dans le cadre du réseau. Dans le cadre du réseau, oui, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes satisfaits, surtout de la promptitude avec laquelle ils ont répondu. Je vous disais tout à l'heure, le 2 août, nous réfléchissions sur le lancement d'un programme. Oui. Nous les saisissons peut-être le 6 ou le 7 et le 10, ils sont prêts à nous accompagner. Ça nous a. Cette promptitude avec laquelle ils ont répondu présent à notre appel nous a marqué. Et ils nous accompagnent, comme il a dit, sur l'aspect communicationnel, mais également dans le volet sensibilisation, parce que pour sensibiliser, nous avons besoin de déployer des matériels de sonorisation. Souvent, nous faisons des jeux tambola et des jeux nigaï. Et ces prix sont offerts pour la plupart par Move Africa. Oui. Et ils ont également des prix qui vont donner à la fin des activités aux différents gagnants des différentes compétitions qui sont en cours. Alors, quoi de mieux que d'attendre d'une entreprise qui a voulu vous accompagner de manière aussi prompte. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons que les remercier pour cette promptitude. Mmh. Mais à côté d'eux également, nous avons notre partenaire, UNFPA, qui travaille avec nous depuis 2016 sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Et eux également nous accompagnent dans ce projet. Et d'accord, là, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir, y a-t-il vraiment l'engouement des jeunes par rapport à cette activité que vous réalisez? Oui, comme chaque chose nouvelle, il faut découvrir et puis l'appréhender avant de venir. Je pense que l'engouement, ou je peux le dire, la crème a pris, parce que dans toutes nos activités, quand nous voyons les images, quand nous voyons les mobilisations, nous pouvons dire que oui, la jeunesse en avait besoin. Elle ne s'y attendait pas de manière prompte. Une activité vient, mais elle répond présent. Il y a cet engouement. En tout cas, par arrondissement, quand nous arrivons, je pense qu'il y a plein de jeunes curieux qui viennent. L'ambiance est la même. L'ambiance est toujours la même. Beaucoup de curiosité autour de qu'est-ce que nous venons leur offrir comme information, qu'est-ce qui est diffusé. Et c'est de manière ludique. Notre plus grande surprise, c'est la dernière activité qui a été lancée il y a 2 jours, le Startup Creative Kids, qui était dédié aux jeunes. Ça également n'était pas le 10, nous ne l'avions pas dans le programme. Mais nous avons réfléchi au courant de l'activité pour dire, mais et les enfants? Nous faisons pour les jeunes de 15 à 35 ans, mais les plus petits, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Nous sommes rappelés qu'une de nos missions, c'est initier à la créativité et à l'entrepreneuriat. Et pour initier, il faut mettre l'environnement qu'il faut aux plus jeunes. Donc nous avons lancé Startup Kids. En 2 jours, nous avons eu plus de 100 jeunes inscrits. Bravo. Nous avons dû rejeter les candidatures, les appels des autres parents pour que les jeunes ne puissent pas, les plus petits ne viennent pas. Parce que dans un environnement de jeux, de robotique, de médecine, de peinture, ils s'y retrouvent et ils sont contents. Donc, mais est-ce que l'âge varie? Selon les activités. On peut déjà connaître. Oui, pour les Startup Kids, c'est de 4 à 15 ans, je pense, pour les jeunes. Mm-hmm. Et pour le football, c'est le U16, basketball U16. Handball, ça sera U20, je pense, parce que c'est féminin. Mais nous avons également le football féminin qui est
U20 également, où toutes les filles jouent. Et nous avons dans la question de pétanque, c'était ouvert à tous les âges. Donc, il suffit juste de savoir jouer au pétanque et venir pour jouer. Ça veut dire que c'est la même question que Marilla. Waga ni kalumu bejo tambola be partenera gina Move Africa gani sojo tambola wa ai chocolat white gani soda gani lumu nazda male yuju yelabu bus a côté da indum tambola mais a côté a karbe partenera gina NFIDA michi clinique gait kula kuma intenda teji ti se michi consultation yak dure solek test do la non il conscientifie santé sexuelle anak mala à quel moment les banoit règle la gomme de la ishufu mata kif il protège nafsum contre maladie yan tous les nas préservatif de le mayam chou ya de bouche de kul donc activité malienne o da gay nas kin shafuda yiju ishufu a ushunu gay kun wanina nas kin jora activité gena ne déroulé donc jusqu'à ça il est gayamala beziada daba ishil beziada gayamala ambakr je pense gagné nabodo be handball fi lycée ENGS on to ko gagné invité on to je te chauffe kef na zamurgo malian fi ENGS tamam السيد ابو شكور الان السيد الوزير كلم لنا يعني ان لكم العاب تسوى في من خلال نشاطاتكم من فوق يعني الالعاب اللي قدموا من فوق ده ناس قاعدين بيقولوا ما افريقيا ما قبل شو وزير ناس هم سياده بينطلهم كيف بترد ان فيت السيد غلاوك هم ناس بحجوا لكن عندنا في شك جي تومبولا ده نجيبوا يوسي دي جوستيس في بريزونس انا يوسي دي جوستيس Donc, c'est validé par le représentant de la justice. D'accord. Hasse que film na khalas mari la secret. Film na secret da c'est compris par que avant ça s'est mis un peu de doute et donc quand c'est bien expliqué, c'est bien également. Et monsieur le ministre, déjà est-ce qu'on peut connaître le bilan provisoire en date du 10 jusqu'à nos jours du réseau? Oui, pour le projet Jeunes Vacances et Citoyenneté, bilan provisoire, nous avons formé, je pense, 1500 jeunes, ici même à l'ONAMA, pendant deux jours sur les questions de bonne gouvernance et leadership entrepreneuriat. Oui. Donc, la salle rouge de l'ONAMA nous a servi pour ce cadre. Nous avons organisé un championnat de la paix, de pétanque, qui a vu la participation d'au moins 300 boulistes qui sont venus jouer. Donc ça, c'est ceux qui sont venus pour gagner les prix. Il y a le football féminin qui a été lancé, qui suit son cours. Il y a le football masculin inter-arrondissement qui est en cours. Le basketball, pour une toute première fois, les écoles de basketball jouent. Alors ça, ça crée de l'engouement. Et aujourd'hui, alors nous parlons, le lycée Félix Eboué est bondé de monde pour regardez le match de basketball qui est en cours. Et nous avons lancé effectivement Startup Kids le 23 pour discuter pour la question de la jeunesse avec une participation de plus de 100 jeunes. Nous avions prévu 60, mais nous sommes obligés d'accepter 100 et rejeter d'autres. Donc les activités en réalité ont démarré à plus de 70%. Avec, il reste à démarrer le handball le 26 et la compétition de musique le 26 également. Nous aurons donc fait le plein des activités à démarrer. Maintenant, nous allons continuer jusqu'au 30 septembre à
avec plusieurs activités qui vont se dérouler pendant cette période. Et nous espérons que la clôture sera plus grande avec un concert géant. Je me réserve de dévoiler le secret. Le secret. Mais ça sera un concert assez géant. Concert surprise alors. Oui, surprise. Nous allons vous annoncer ça et espérons revenir discuter avec vous de ce concert qui va se préparer. Et le lieu également sera dévoilé. Ça veut dire que nous avons fait le bilan. La chabaka réseau gaba khadinga akid indo tamwil nasal mawlu di financier won ya tu gaba mawlu réseau da nas kullu bitsaulu yani inta gatumul fam kathir anina comme toute association appui à Guinada partenaire technique et financier ma magie d'accord il est dor na demi financier inta takte projet al mim projet al nasi famu inda indicateur haga asa michel UNFPA nasi jumala UNFPA fi activité sportive ou culturelle guide alors que ushoko la santé sexuelle hanina na hajulim fi activité sportive da nas beju unto doro nas le te sensibiliser au fi santé sexuelle et reproductive ta huma ils appuient les activités culturelles sportives pour avoir leurs indicateurs qui sont la santé sexuelle et reproductive. Même chose avec MOVE, on leur demande nous sommes chunu alki huma en tant que partenaire da yelgo fi appui à Guinada. O huma ya joindina ONG ADES également kulo hu ONG international tchadien lakin bigi international. Donc huma kulu sa dona fi financièrement fi les nos activités da. Chafu uma onja de sadu chafu ani le lancia jogale tu chokol kuda tu saudu shabab hanina ni accompagnant to da parce que indicateur agada nas yafamu to ai shabab inda projet da ma ya gut frasa o ya digal ke projet agida ikun yaktaba iwasi ba kadar se realizable o yamshi le partenaire do. D'accord, nous revenons à monsieur Abdel Shakour Saïd. Vous êtes une entreprise commerciale. Mais quand vous accompagnez de tels projets, quel est votre intérêt? En fait, merci. Bon, en fait, le plus souvent, si je prends l'exemple du réseau, il y a des jeunes qui viennent avec des projets, ils ont des petites entreprises qu'ils veulent développer. Ouais. Nous, à travers notre service Mobile Money, Move Money, donc nous avons des services qui les aident vraiment sur le mode de paiement. En fait, le plus souvent, les jeunes, c'est les jeunes qui mettent à des entreprises en place. Le plus grand challenge, c'est le mode de paiement. Donc, il va falloir prendre le produit, se déplacer, aller voir. Donc, nous, on les accompagne sur le paiement en ligne. On les crée des comptes. À l'instant T, un client peut payer depuis chez lui et donc il peut envoyer le produit. Voilà. Donc on les accompagne souvent à travers nos différents services, que ce soit sur le paiement ou bien à certaines entreprises aussi qui ont leur personnel qui sont un peu partout à travers le pays. Et donc ils veulent payer leur, à leur personnel. Donc, nous, on est là pour les accompagner à tout voir. À l'instant T, ils peuvent toucher tous ces personnels. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent d'accompagner les projets initiés par les jeunes selon les sujets que je voudrais parler? Oui, comme je vous ai dit, nous, on est une entreprise citoyenne. On va essayer de voir le projet. C'est quoi l'apport par rapport à le contenu même du projet. Le contenu. On s'assoit avec le partenaire, on discute l'apport que eux ils veulent de nous. Et nous aussi, si on a certaines orientations, on va essayer de les dire, vous pouvez ajouter ceci, vous pouvez ajouter. Bon. L'idée, c'est la réussite du projet. السيد عبد الشكور يعني اليوم أين أنت جيت لنا هنا بصفتك مسؤول في موف أفريقيا فهنا سعيدين جدا وعندنا سؤال كثير
ناس قبل دول بقول لنا اسالهم ليه ما في شنو لكن بدنا نخليهم اخر انت كان تجي لنا في سجد ما ريزود نخلوه كونسيرفي ليهم اخر ان شاء الله. السيد الوزير يعني الان الريزو شغال وناس كلك يعني ده كلك الناس اللي شغالين معكم ده كله قاعدين معكم في الريزو لانكم الناس بيساعدوكم اخرين من برا. الو Réseau ONG, c'est une association, l'association à Sabigi ONG. Donc, texte à Gadol, assez figé. Donc, il est là, donc, Bakadim fait réseau, da, il recrute où? Je suis recruté, madame, à 5 employés permanents. Fait réseau, ou à Karda volontaire, d'ol. Il y a un pôle à nos volontaires, ou magadine, il y a une activité d'immobiliser, il y a du. Ou à, anina min, badina kida, gagne, c'est pas c'est co-construire. Il y a tout le yéji da, dans tout le défi. C'est-à-dire, il te dort, tu t'arfa, est-ce qu'il te t'agdère, tu réalises le projet. Il y a un projet, 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 jeune vacances et citoyenneté. Il y a un projet, il y a un projet, il te dort, il y a un projet, il y a un organisateur de football. Inti da ti géré basketball michil ke le inti ko talga expérience fi gestion en projet fi gestion en finance fi gestion en partenaire parce que au partenaire yi dilek kef takari maw kef apport haga kef apport donc le inti ko talim talga expérience fi CV anak ou talga opportunité à karkabir donc volontaire indina au moins 300 400 volontaires gadin par projet gan mobiliser au moment des réalisations. Oui, monsieur le PCA, notre entretien tire à sa fin. Avez-vous un conseil à donner à ces jeunes porteurs de projets qui, jusque-là, hésitent par faute de moyens? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que tout est question d'approche dans chaque projet. Et tout est question de méthodologie. Nous ne gardons pas nos projets dans notre tête et imaginer la réussite. Il faudrait le mettre sur papier, se faire conseiller par ceux qui ont plus de compétences que nous en montage de projet et donc aller donc vers les partenaires fiables et aller vers les partenaires en filtrant les objectifs. Notre projet ne peut pas répondre aux attentes de tous les partenaires. Nous devons choisir ceux qui vont mieux avec nos projets et les proposer ce projet ou leur vendre notre projet pour leur réalisation. Pour ceux qui ont des projets entrepreneuriaux, en tant que réseau de jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, nous avons plusieurs programmes qui sont en cours, notamment le Startup Incubator qui va incuber, je pense, durant 6 mois, une vingtaine de projets. L'appel à candidature est en cours, ils peuvent toujours postuler et puis nous allons les accompagner techniquement et voire financièrement avec l'appui des partenaires qui vont donc les aider à réaliser leur projet. Nous avons également lancé un projet pour les personnes vivant avec un handicap parce que ceux-là sont souvent lésés dans la réflexion autour des projets. Donc, nous avons lancé cette initiative pour eux. Et partout dans les 4 provinces que j'avais citées, si où nous aurons une sorte de parcours citoyen qui ira au courant de la semaine prochaine. Donc, ils peuvent toujours s'approcher pour que nos volontaires puissent les orienter. Parce que comme je le disais au départ, en 2015, c'est parce que nous n'avons pas eu un cadre d'accompagnement que nous nous sommes dit que nous allons offrir aux autres ce que nous n'avons pas. Et c'est l'occasion de remercier vraiment tous ceux qui ont cru dès le départ au projet et qui continuent à croire. Chacun évolue de son niveau, mais quand on a besoin de réfléchir, tout le monde vient pour voir les choses grandir. شكرا سيد الوزير. انت وزير سابق يعني دائما نقول لك سيد الوزير لكن وزير سابق وما في عندي مشكله فممكن انت كلمه اخيره بدي اشكر لك انتهى لكن انت كلمه اخيره. اوكي شكرا. الكلمه الاخيره انه نشكركم وموف افريقيا قاعده تساعد الاسوسيسيون يعني نشيل اكزامبل ماي ليجيت عندنا قبل خدمنا مع الكوميرسان عن البتاي في السودان بي اول زرقين قالت ازوم اوكي جو لنا قال لنا مشاكل مش لكن تساعدونا غراس نوتر سيرفيس انا موف موني ده خدينا لهم اجانس في السوق انا بهايم التاجر كان سوي مال ده يسب قرصه في تليفونه
كان ماشى ماشى يسلا دونك انينا اي كان اسوسياسيون كان لي انتربريز كان ما الا جيل كله انين نوقفوا ما ان شاء الله. تمام شكرا شكرا عبد الشكور وكذلك شكرا للسيد رضوان محمد دونغا كريستيان وزير الشباب والرياضه الاسبق ومؤسس ورئيس مجلس إدارة الشبكة الشبابية من أجل التنمية والقيادة في تشاد اختصارا RGDLT. شكرا جزيلا. مشاهدينا نذهب لفاصل من ثم نعود. Oui, et l'ambiance est toujours la même sur Dlalekou. Et quand vous connectez à l'émission, c'est de l'ambiance et nous sommes là pour vous servir. Et je vous rappelle que nous sommes en développement et en développement, nous recevons sur ce plateau Bichard Adrep. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, il sera question de parler de la promotion de la cohabitation pacifique entre les éleveurs et agriculteurs. C'est... Une fois de plus, rebonjour. Et d'accord, essayez un peu de nous éclaircir sur la situation. Et qu'est-ce qui amène les agriculteurs à éleveurs à ne pas parler le même langage? Merci beaucoup. Tout d'abord, dans le cadre de la cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs, Il y a un principe qu'ils doivent respecter, c'est-à-dire les uns et les autres. Vous savez, les éleveurs et les agriculteurs vivent depuis longtemps, des siècles et des siècles. On n'a jamais eu de problème. Je pense que, sauf ces dernières années, que nous rencontrons beaucoup de problèmes. Alors, si aujourd'hui on parle de conflit éleveur-agriculteur, d'abord il faut parler des champs, il faut parler de l'élevage. Si on vient dans le domaine des champs, cela veut dire que le bétail dévaste les champs. Mm-hmm. Quand le bétail dévaste les champs, là en ce moment on va dire que le champ est dévasté par le bétail, là il y a conflit. Parce que le éleveur il n'a pas respecté le type du champ et il a dévasté à travers son bétail les champs. Mais est-ce qu'on ne peut pas tracer un couloir de transhumance pour éviter tous ces problèmes? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, ça c'est dans le cadre de la prévention. Si on parle de la prévention, c'est-à-dire le éleveur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces bétails ne rentrent pas dans les champs. Quand cela est fait, en ce moment, donc tout le monde est tranquille. Donc la cohabitation pacifique, en ce moment, on l'a définie et elle est respectée. C'est-à-dire le bétail n'est pas rentré dans les champs et entre-temps, au niveau de l'agriculteur aussi, il y a des règles, il y a des choses qu'ils doivent respecter. C'est-à-dire ne pas fermer le couloir de transhumance, vous savez. Ne pas, par exemple, occuper les aires de parcage. Mm-hmm. C'est-à-dire ne pas aussi, comment on appelle, bloquer l'accès à l'eau et le couloir de transhumance. C'est-à-dire... Ces principes-là, s'ils sont respectés, de part de l'agriculteur, et que de l'autre côté, les champs est préservé et bien gardé, c'est-à-dire, en ce moment, on parle de la cohabitation pacifique. Là, entre-temps, je pense, les éleveurs, eux, ils prennent toutes les dispositions pour ne pas dévaster les champs. Tout comme les agriculteurs, et ils ne ferment pas le couloir de transhumance. Et puis, l'accès à l'eau, les aires de parcage. Je pense que ce sont des choses très importantes. مش البلامات سادير معناه سيادة المال يعني البلامات دول مع ناس البندوا الأرض لكن الناس سيادة المال ذاته سيادة المال لازم يحتفظوا سيد المال يحتفظ بماله عشان للزر ما يتلفه وهناك سيد الزر كلها المراحيل ما يسدين مراحيل ديل تعرف شنو تعرف من زمان الرويوم هنا وداي وثم ثانيا يعني سنة ألف من نفسان سنة كانترين سنة ألف تسعمية و59 ده كان المراحيل النصارى قبل الاستغلال النصارى سلوي المفروض المراحيل ديل ده يعني الناس ما يسدوين اذا كان سدوا المراحيل يعني ده مشكله اكيد ده مشكله كبيره مره واحد
ده نحن يعني نتطلبه يعني على حسب العادات والتقاليد. أنا سواء الشيف دي فيلاج الشيف دي فريق يعني المراحل ما ينصدق، لأنه في أصناف اثنين عندنا الرحل، يعني ناس بيمشوا الخريف خريف بيمشوا والصيف مرجع بينزل مرجع. دول ده الناس بيقول لهم الترانزيما. عندنا السيدانتير ناس رحل، ناس مش رحل، ناس عندهم بهايم لكن ساكنين محل واحد مقيمين. الناس دول ده هم كلهم يعني أصناف أصناف. وكل كي المشكلة شنو؟ المراحيل دي ما تنسد، ومحل المال يسرح ما يزرعوا، ومحل المال يشرب ألمي ما يسدوا. أنت في بداية كلامك تقول الناس أين عايشين يعني سنين السنين المزارعين ما الرعاد ما عندهم أي مشاكل، فهسه المشاكل اللي بيجيبها دي ما نلقوا حل. طيب في شغل واحد لازم لا أخلي أي واحد يفهمه. الناس زمان عايشين بطريقة سلمية، والناس محترمين، أي ناس محترمين يعني دول المزارعين محترمين، السيادة البقارة أو سيادة الثروة، وسيادة الثروة محترمين. لكن حاليا في شباب جديد نقول الناس يعني دخلوا في مشاكل أخرى، دخلوا في السياسة، والسياسة دي خلت الناس يحرشوا المزارعين والبقارة عشان يتجاوزوا. في ناس واحدين يكسبوا من الخلافات بين المزارعين والبقارة، هم بيكسبوا شيء. يعني مثلا الناس السياسيين، ناس سيادة الأحساب، سيادة الجمعيات واحدين، يعني الناس دي إذا كان الناس هم تداوزوا يعني خلاص مختلفين. وباكر إذا كان في انتخابات يعني يقولوا دول المزارعين ماشيين لطرف واحد والبقارة ماشيين لطرف واحد. إذا كان هم ناس مختلفين يعني هم ممكن يلقوا أصوات بين دول وبين دول. إذا في أشياء سياسية خلت الناس حاليا يعني يختلفوا بين المزارعين والبقرة، وفي أشياء واحدة في خلافات واحدة ما عندها أي علاقة مع الزراعة ولا الصيف. يعني وطن الصيف ما في زراعة أكيد، لكن يقولوا في مشاكل بين المزارعين والبقرة. وطن الصيف صيف ما في زراعة، يعني ده كله سياسة. ونقولوا الناس دي في ناس بيحرشوا الناس عشان الناس دي دائما يختلفوا، والجو كله يتلفوا، والناس يعني يبدلوا يعني حياتهم الزمان عايشين سوا ده يتلفوا، والناس يكونوا مختلفين. Oui, monsieur Bichara Dreb. Oui. Oui, selon vous, est-ce qu'il est possible à ces deux parties de cohabiter vu la tension de part et d'autre? Je n'ai pas bien compris là. Je demande, est-ce qu'il est possible pour oui. ces deux parties, c'est-à-dire les agriculteurs et éleveurs, est-ce qu'ils sont prêts vraiment à collaborer? Oui, bien sûr, ils sont prêts. Je pense que, vous savez, hein, c'est des gens qui vivent des siècles et des siècles ensemble. Et entre-temps, c'est vrai, vous savez, dans les années 1976, nous avons 8 millions de têtes de bétail. Et en 2015 et en 2016, nous avons 137 millions de têtes de bétail. Donc, vous savez, c'est vrai, il y a la population qui a augmenté, le nombre de bétail a augmenté, mais toujours, il y a des limites. Nous avons 1 284 000 km². C'est impossible que nos bétails ne peuvent pas aller au pâturage et que nos agriculteurs ne cultivent pas. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un problème purement politique. Et ça, je pense... Certains partis, certaines hommes politiques sont en train d'animer cette politique de division-là. Et là, je pense, à travers ça, ils trouvent leur compte. Mais ici, de l'autre côté, nous avons des problèmes de violence. Et ça, je pense, nous demandons à ce que nos parents, éleveurs et agriculteurs, qu'ils restent très vigilants et que ces hommes politiques, ils ont leur intérêt à part. Et avec ces éleveurs, c'est des siècles. Vous savez, en 1942, ça, c'est le premier éleveur qui est rentré au Sud. Donc, la population du Sud, par exemple, avec les éleveurs, n'ont aucun problème. Tout comme au Nord. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a des conflits au Nord. Tu prends la région du Wadaï, tu prends la région du Guéra, et regarde au Sud. Nous avons dans le Moïnchari. Or, le Moïnchari, c'est une zone d'excellence d'élevage et en même temps, c'est une zone agro-pastorale.
Donc on trouve l'élevage et l'agriculture, mais les gens vivent ensemble. Donc si aujourd'hui ces gens, si au moins ils ont pris eux-mêmes conscience de ne pas suivre les politiciens, je pense que nos parents vont vivre en paix. Et ça, c'est ce qu'on demande. Nous avons assez vécu le problème de violence entre éleveurs et agriculteurs. Nous, on leur demande vraiment qu'ils se ressaisissent et qu'ils abandonnent ce qu'on appelle ces hommes politiques qui animent la violence et qui sont, ce sont des animations purement politiques et électorales. Mais vous, en tant qu'acteur de promotion, de paix et de la réconciliation entre les éleveurs et agriculteurs, êtes-vous vraiment disponible à faire taire toutes ces situations entre ces deux parties? Tout à fait. Eh bien, notre mission, la mission même de l'interprofession, l'interprofession, vous savez, c'est une interprofession qui regroupe les éleveurs, les commerçants syndicats de bétail, les bouchers, les transformatrices, les transformateurs. Donc c'est une interprofession. Eh bien, notre mission, c'est-à-dire d'animer surtout la cohabitation pacifique. Parce que nous avons intérêt à ce que nos parents vivent en paix. Pas tout le temps, on entend qu'ils sont dans, ils sont en violence. Les cas de tueries, oui. سيد بشار يعني في 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 الزمان يعني مثلا البهيمة دخلت في الزر يحكم سيد البهيمة كذا قال وخلاص يخلوا البهيمة والمشكلة تكمل ما لازم ما طيب زمان إذا كان البهيمة دخلت في الزر هذه مشكلة هينة بس المشكلة يعني الناس شاف سيد الزرع ده البقر إذا كان لقين في الزرع سيد البقر ده الناس زمان كل اللي عارفه بقر هنا فلان يشيل البقر ده اللي يمشي يوديه في الفريق يجي يلقى الشيف دي فريق يقول لي البقر ده دخل في الزري ده كله خلاص تلف وكي تلف ده هم الناس خلاص هذا الفريق ده ما يقلطوا ما يقولوا بقر ده ما هنا هم بقر ما هنا فعلا يقولوا خلاص اصلا ده مشكله ما في نقوم كوميسيون يعني الناس ده ايفاليي شغل التلف ده نكفوا ما عنده اي مشكله ايوه يعني ده زمان الناس بيحلوا المشكله ولا بيمشوا بريجات ولا بيمشي جندال ولا بيمشي سو بريفي بين الشيف دي فريق وبين الشيف دي فيلاي مشكله دي بيحلوها واذا كان اليوم ده كان شغل شيء كل الناس يجروا للبريغاد بريغاد هو ده الشغل يدور ده السوق هنا خلاص سيد البقر كله هو يا حاكمه سيد القله كله كان كفو كله شغل على الكفو اللي يدوك له 10% هنا كله يشيله يعني مشكله كبيره مره واحد ان شاء الله ربنا يجيب العافيه في البلد وان شاء الله المشاكل تبقى ما فيها ونعيش مش ما زمان جدودنا عاشوا والمشاكل تجمع في بين المزارعين والرواد ان شاء الله شكرا جزيلا استاذ بشار شكرا نحن اذا كان عندنا بلاغ لبارا هنا لاهلنا نقول لهم نحن خلي اولا باولا يقبلوا في حالتهم الزمان حال الزمان ده الناس هذا البقر كان بقر تلفا في الزرع ده هم ما بيلبدوا وما يجروا يقودوا بعدين هم ذات بس يمشوا لسيد الزرع البقر ده تلفوا الزرع ولا البل ولا قدم تلفوا شغل ده تعالوا شوفوا شغل ده نكفوا نينا ده اول كله قاعدين سوا ما ندور مشاكل وما ندور شغل خلاص المشكله دي تنحل هسه كله شغل اللي طلبوه ده خلي الناس يرجعوا لنفسهم وخلي مشاكل دي يخلوه ان شاء الله ما خلاص يسدوا المي ومراحيل ويسمعوا كلام يسمعوا كلام الناس تمام وكل شيء وخلوا مشاكلهم يحلوها بلا حكومة شكرا جزيلا استاذ بشاره مشاهدينا نذهب لفاصل من ثم نعود Bye.
المشاهدين وفي فقرة هناك فقرة جديدة وهي فقرة ما هي الفقرة الثانية ريادة أعمال نعم قالوا الفقرة هي ريادة أعمال ومعنا سارة داكوستا لكن بعد الفاصل بونجور السلام عليكم. السلام. مالي لا سالدا كوستا جاهز عشان يبدا معنا. سي سالدا كوستا بونجور. بونجور. Vous allez bien? Oui, ça va. Et surtout, bienvenue à l'émission La Lico. Merci. Avec vous, le sujet porte sur la commercialisation et la commercialisation des poulets naturels, l'importation et la commercialisation des poulets naturels. D'abord, qui est Saleh Da Costa? De mon vrai nom, c'est Saleh Abakar Djumangar. Ouais. Je suis ingénieur de conception en hydraulique. Mmh. Et bon, par faute de boulot, je me suis converti en producteur et commerçant des poulets naturels. D'accord. Est-ce que vous avez une entreprise? Oui, j'ai une entreprise dénommée Didat Adjala. Ah, d'accord. Oui. Le siège, c'est à Moursane. D'accord. Et Monsieur Saleh, c'est leur flash d'information. Oui. Nous allons revenir à vous après. Merci. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à votre flash d'information, à la présentation. Chéné Alamine. Chéné, bonjour. Bonjour Marila, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Double audience ce jeudi au ministère du Genre et de la Solidarité nationale. La première personnalité à être reçue en audience par la ministre Amina Prissi Longo et l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria, l'ami Soda Remawa Ahmed. Au centre des discussions, la coopération entre les deux pays, frères et amis, et la nécessité de la consolider pour l'épanouissement de la femme tchadienne. La ministre Amina Priscil Longo et la diplomate nigériane ont particulièrement mis l'accent sur l'autonomisation de la femme et les violences basées sur le genre. Après Soda, vient le tour de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, d'Afrique du Sud au Tchad, Joseph Ngossi, qui a effectué une visite de courtoisie. À cette entrevue, le diplomate a notifié l'invitation de la ministre sud-africaine de la femme à celle du genre et de la solidarité nationale à l'effet de prendre part à une rencontre des femmes leaders prévue dans ce pays.
Et puis une autre information en bref, l'ambassade d'Afrique du Sud au Tchad fait la promotion de ses potentialités touristiques auprès des potentiels touristes tchadiens. L'opération de séduction est organisée via un séminaire. L'initiative vise à amener les Tchadiens à visiter ce pays à immense potentialité touristique. Le ministère de la formation professionnelle des petits métiers et de la microfinance, avec l'appui du Fonds national de développement de la statistique, organise un atelier de validation des études de faisabilité des activités de l'année 2022. Les participants vont échanger à ce sujet sur diverses thématiques, à savoir le recensement des établissements de formation technique et professionnelle publique privée du Tchad, l'enquête sur les métiers au Tchad. Objectif, améliorer la qualité des documents élaborés par les consultants. La secrétaire générale du ministère de la formation professionnelle, Damaris Adegelaye Nodjigoto, exhorte les participants à être attentifs aux présentations durant ces deux jours des travaux. Voilà, c'est tout pour le flash de la matinale. Merci à vous. Je vous retrouve à 13h. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir, Chéné, et merci pour ce flash d'information. Et vous le savez, c'est un flash d'information bilingue là. Ishraq Abdallah Rama est aussi là. Moustapha? Non, Bilaraïb, Marilla, Al-An, Mouyaz Al-Amba, les Barnamil Al-Yoko, ma Zamila, Ishraq Abdallah Rahma, Hia Jaïd Al-An, Ishraq Sabah Al-Khir. صباح النور الزميل مصطفى مشاهدينا الأفاضل أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم موجز الأخبار. خلال إقامته بمنطقة كوري بوغودي رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو عقد يوم أمس بمقر القاعدة العسكرية في كوري بوغودي 60 لقاء مع أعضاء اللجنة الدفاع عن مصالح المنقبين عن الذهب وفض النزاعات في كوري بوغودي، حيث بحث معهم مجمل الجوانب الخاصة بعمل عملية التنقيب عن الذهب والأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة. كما استقبل فخامته ممثل سلطان تيبستي وممثل شيوخ القبائل في كوري بوغودي، حيث تناول اللقاء دور الشيوخ التقليديين وعيان المنطقة في استبداد الأمن، وذلك بالتعاون مع القوات الأمن والدفاع وتعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك في مواقع التنقيب عن الذهب. نظمت وزارة التدريب المهني والحرف المالية الصغيرة بتمويل من الصندوق الوطني للإحصاء السكاني ورشة عمل للمصادقة على تقرير دراسة الجدول للأنشطة للإحصاء السكاني لعام 2022. أثناء افتتاحها للورشة الأمينة العامة لوزارة التدريب المهني والحرف المالية الصغيرة السيدة دماريس داجيلوي، تطرقت لأهمية هذه الورشة التي تندرج في إطار دراسة وتقييم عمل اللجنة المكلفة بالإحصاء السكاني، وذلك منذ عامين للخروج بوسائل صيغة مرجعية يتم الموافقة عليها، وتستمر هذه الورشة لمدة يومين متتاليين. في إطار الحملة التوعوية حول التسجيل في السجل الانتخابي والاستعداد للتصويت في الاستفتاء الدستوري التي بادر بها لجنة الدراسات والأعلام للكوادر الحركة الوطنية للإنغاذ، حيث شملت هذه الحملة كل من الدائرة الثالثة والرابعة، ترأس المناسبة نائب رئيس لجنة الدراسات والأعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنغاذ. المناسبة تخللتها عدة كلمات، منها كلمة الأمين التنفيذي للمجلس البلدي محمد نور حامد محمد، ثم تلتها كلمة نائب رئيس لجنة الدراسات والأعلام باستير مانجا كادي. تركز هذه الكلمات جلها حول أهمية التسجيل في القوائم الانتخابي وتكثيف التوعية للمواطنين بأخذ بطاقة الناخب للتصويت في الاستفتاء الدستوري. مشاهدين الأفاضل، نهاية الموجز، في أمان الله. شكرا إشراقة، شكرا إشراقة، نتمنى لك نهار سعيد. ماريلا. Oui, Mustapha, nous disons merci à Chéné et à Ishraq pour ce flash d'information bilingue. Nous revenons à notre invité, Salé Dacosta. Il est promoteur de poulets naturels. Et d'accord, tout à l'heure, vous avez expliqué comme quoi vous avez votre siège qui est à Mursal et vous êtes spécialisé en transformation et commercialisation des poulets naturels. Et pourquoi cette spécialité? Bon, c'est parti d'une remarque simple. J'ai constaté que les femmes partent au marché, payer le poulet, rester sur place, déplumer avant de rentrer. Et cela peut prendre assez du temps pour elles.
Du coup, je suis allé sur cette base-là. Moi-même, je prends les poulets, j'ai deux plumes, on égorge, on déplume et je livre dans les domiciles. Et c'est comme ça l'entreprise s'est développée et petit à petit, on a commencé par envoyer à l'étranger. Et pourquoi exclusivement les poulets naturels alors que ces derniers temps, on voit que les gens s'adonnent beaucoup plus aux poulets de chair dans nos marchés? Bon, au fait, les Tchadiens aiment le poulet naturel plus que le poulet de chair. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai dit, bon, il ne faut pas se lancer dans la vente de poulets naturels, mm-hmm. Dans la vente de poulets de chair, mais plutôt dans la vente de poulets naturels. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, les Tchadiens consomment plus que les poulets de chair. Et en plus, pour les poulets de chair, on n'a pas assez de fermes ici. Du coup, s'il y a rupture, ça serait un peu difficile de satisfaire les ménages. Mais pour les poulets naturels, est-ce que vous avez votre ferme? Oui. Ou bien vous venez dans les marchés? J'ai une ferme pilote à Kundul. Et je commande dans les différentes provinces du Tchad. Et si, par exemple, l'unité, vous vendez à combien? On a les poulets de 3000, mm-hmm. les poulets de 3500 et les poulets de 4000. On est dans cette fourchette-là, on ne dépasse pas ça. D'accord. Quelle qu'en soit la taille. À la portée de tout le monde. Oui. D'accord. C'est ça, déjà, je suis un petit peu là. On m'en commande. Pour tout ce qui est à la coupe, on a espresso. Il y a du lait. Ça revient au client, oui. D'accord. Mais à l'intérieur, on fait la livraison gratuite. Ouais. D'accord. OK. Et là, Monsieur Salé, comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez embauché d'autres jeunes à vous aider à faire le travail? Comment ça s'est fait? Oui, c'est simple. Au fait, je ne peux pas faire tout ça seul. Uh-huh. J'ai plus de 10 personnes. J'ai des femmes qui nettoient les gésiers, parce qu'on vend les gésiers aussi. On vend les têtes et les pattes aussi. Ouais. Et donc rien à jeter? Rien à jeter, sauf les plumes. Ah, ça peut aussi servir. Oui, ça peut aussi servir. Oui, c'est tous les éventails. C'est un projet aussi, mm-hmm. parce qu'à la longue, si la demande devient vraiment grande, oui. Il faut songer comment transformer les déchets. Mm-hmm. Du coup, on peut faire le compostage avec et revendre au petit jardinier au bord du Chari. Mm-hmm. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir dans ce sens aussi. Mais vous êtes dans le métier depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Oui. 2 ans seulement et on voit que les chiffres d'affaires augmentent de jour en jour. Mm-hmm. La demande, mm-hmm. toujours, voilà. Monsieur Salé, les jeunes comme vous, les jeunes diplômés, surtout mm-hmm. sans emploi, préfèrent attendre la fonction publique alors que vous avez mûri les idées et voilà, vous vous êtes lancé dans la commercialisation et l'importation des poulets naturels. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes-là? Oui, le seul conseil que j'ai à donner à mes frères, c'est de ne pas attendre. De ne pas attendre et de ne pas toujours penser qu'on doit tout attendre de l'État. Parce que nous aussi, on doit quelque chose à l'État. Donc, du coup, il faut se lancer. Même si c'est petit, commencez d'abord. Et certainement, il y a des gens qui vous observent. Du coup, si vous êtes sur le bon chemin, ils vont vous accompagner. OK. Voilà. تمام شكرا سيد صالح وكذلك شكر موصول لأستاذ بشارة دريب شكرا جزيلا لكم جميعا فما شاء الله أن تتونا كلام عدل مرة واحد ونتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله فمشاهدينا نذهب لفاصل من ثم نعود للفقرة الأخيرة
Coup sur Télé Tchad, nous avons encore des autres invités. Il s'agit d'Abdelhakam Ahmad Yaya. C'est sur l'importance de l'apprentissage de la langue anglaise. Et là, il va nous entretenir en arabe et en métier avec le célèbre coach des jeunes, Abakar Moussa. Sabal Khair. Coach Abakar, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, bien, merci beaucoup. Et d'accord. Chanté. Merci. مشاهدينا رجعنا من جديد وفي فقرة التربية معنا عبد الحكم أحمد يحيى وتحدث لنا عن أهمية تعليم اللغة الإنجليزية. قبل أن ندخل في تعليم اللغة الإنجليزية، أولا أستاذ بكر، حدثنا عن أهمية اللغات، أهمية تعليم اللغات بشكل عام. طيب، شكرا للاستضافة في برنامج تلاليكو. اللغة هي وسيلة للتواصل. نعم. ومن عرف لغة قوم فقد أصبح واحدا منهم. نعم. فهم صحافتهم وتعلم علومهم أيضا. فاللغة الإنجليزية أصبح هي الأكثر انتشارا في العالم. اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم والتكنولوجيا. فأهمية اللغة الإنجليزية تكمن في أنها في أنه أكثر من 60 دولة على مستوى العالم يتحدثون اللغة الإنجليزية، وبيعتبروا أنه اللغة الإنجليزية هي وسيلة للتواصل بين الأفراد والمراسلات الرسمية حتى على مستوى الانترنت والسوشيال ميديا. فاللغه الانجليزيه مهمه جدا في مجتمعاتنا، واحنا محتاجين لاننا نتعلم اللغه الانجليزيه عشان نقدر نطلع على العالم اللي حولنا، ثم اننا نقدر نوصل رسالتنا وافكارنا وثقافتنا ايضا ان كان على مستوى الانترنت وغيره. اللغه الانجليزيه من اللغات المهمه جدا. اللغات بشكل عام هي تعتبر ثقافه او جزء من الثقافه. فاللغه هي شانل يفتح لك، هي عباره عن قناه او نوافذ لفرص عمل، في اللي هي فرص عمل وحتى اللي هي منافسه ما بين القطاعات ان كان الخاصه او العامه. فحتى انت لما تكون داير تسافر مثلا، انك تحضر مؤتمرات في دول، اذا انت كنت عارف اللغه الانجليزيه بيساعد في انك تقدر تتواصل مع الدول الاخرى. عشان كده احنا مهم جدا لنا اننا نتعلم اللغات الاجنبيه. أكيد نتعلم اللغات الأجنبية شيء مهم جدا، يعني أول خطوة تقوم بها لتعلم اللغة الإنجليزية. طيب، سؤال مهم جدا. فتعلم اللغة الإنجليزية اللي فيها جانبين بنسميها بالبرودكشن والكومبرهنشن، اللي هي جانب بتاعة الاكتساب وجانب بتاعة الإنتاج. نعم. الجانب بتاعة الاكتساب اللي هي بنستخدم فيه مهارتين، المهارة الأولى اللي هي مهارة بتاعة الليسننج. فمن وين احنا نجيب الليسننج او نقدر نتحصل على المهاره دي كيف؟ فاحنا طبعا بنلقى انه حتى الطفل الصغير في البيت ففي بداياته ما بيتكلم، لكن بعد شويه بيغذي نفسه اللي جانب التغذوي او الاكتسابي، فبيغذي نفسه من البيئه اللي حواليه، بعد شويه بيبدا بينتج اللغه. فيبقى احنا محتاجين لاننا نستمع. عشان كده بنلقى انه يعني لما تلاقي اللي هي اساتذه بتوع اللغه الانجليزيه في البدايه بيقول لك listen more، استمع اكثر فاكثر فاكثر، تستمع عشان تغذي نفسك، ثم بعدك تبدا في انتاج اللغه. فيبقى الجانب ده مهم جدا. اللي هي الجانب الثاني في التغذوي او الاكتسابي، انك اللي هي محارب بتاعت القراءه. فاول كلمه جت هي اقرا طبعا. فاحنا محتاجين لاننا نقرا اكثر. فبنلاحظ انه في مجتمعاتنا
معدل لغراءة الفرد يمكن يكون ضعيف جدا. فإحنا محتاجين لأننا نقرأ أكثر. فده إندوستيلا بي اللي هي طبقة المايلاند. فطبقة المايلاند اللي هي المتصل طبقة المايلاند اللي هي إندوستيلا بالأعصاب. طيب أنت كل ما تقرأ أكثر بتلقى إنه الطبقة ده بنقل الإشارات اللي هي للامتداد الأعصاب. فده أنت قراءتك الأكثر بخليك إنك تتكلم اللغة بصورة أسلس. فيبقى إحنا محتاجين لأننا نقرأ أكثر عشان نغذي نفسنا بصورة جيدة. فيبدأ في التغذية اختيارنا للمادة وجانب مهم جدا. إنه أنت المادة اللي أنت بتختاره عشان أنت تقرأ مهم جدا. هتختار كتب مثلا قصيرة بتناسب مستوى بتاعتك. تمام. غير كده أنت محتاج لأنك تختار اللي هي speakers native speakers اللي هي ممكن تناسب مستواك عشان أنت تقدر تفهم الحاصل عشان تقدر تطور نفسك في اللغة وتمشي لقدام. غير كده حتى اللي هي في الجانب ده عندنا اللي هي ميوزك برضو أحيانا هي بنستميلها عشان نستفيد منها في المفردات وكده. القصص القصيرة برضو من الحاجات المهمة جدا. الجانب الثاني اللي هي جانب بتاع إنتاج. الجانب الأول بياخد 50% طبعا. الجانب الآخر هي 50% الآخر. طيب إحنا دايرين ننتج. السؤال الكلاسيكي اللي إحنا بنسأل نفسنا إنه إحنا والله يا أخي قادرين نفهم البذور اللي بيتكلم اللغة الإنجليزية. المشكلة إنه إحنا ما قادرين نرد. طيب ليه المشكلة وين؟ قاعدين نتساءل أكثر ليه المشكلة؟ هنا معناه إحنا عندنا مشكلة في الإنتاج. فإحنا ما عندنا خلل أخلي. لكن معناه إحنا ما خلقنا اللي هي بيئة بتاع تواصل. وده طبعا ارتفيشال. لما اقول ارتفيشال معناه انت لازم تسنى بيئه عشان تتكلم. تحتك مع ناس بيتكلموا اللغه الانجليزيه. ايوه تحتك مع ناس بيتكلموا اللغه الانجليزيه بقدر ما انه اللي هي الانتاج هي مهاره ميكانيكيه. مهاره ميكانيكيه معناه زيه زي الرياضه. انت محتاج لانك تتريد يعني بشكل يومي صح؟ او بشكل منتظم. فيبقى انت لو ما اتكلمت اللغه الانجليزيه ما احتكيت مع بيئه بتاعت اللغه الانجليزيه هيبقى انت بتواجه مشاكل كثيره جدا في انك تتلقى اللغه الانجليزيه. هذه خطوات مهمة جدا إذا اتبعناها أكيد نتعلم اللغات كلها ما اللغة الإنجليزية فقط. نعم. كل اللغات. فشكرا لك شكرا جزيلا. يعني دايرين نتحدث أكثر أستاذ عبد الحكم لكن الوقت داهمنا. لكن إن شاء الله كلنا لقاء آخر معك إن شاء الله. شكرا جزيلا. في أقل من دقيقة أو أقل من ثانية. تفضل. وثانيتين أو ثلاثة. عموما أنا طبعا اللي هي عشان نسهل في مسألة بتاعت التعلم اللغة الإنجليزية اللي هي مركز إتقان للتدريب والاستشارات فبنستخدم التقنيات اللي ممكن تكون حديثة اللي هي إن كان لمستوى الصفي أو الغير صفي فاللي هي الأوديو فيجوال إن كان المرئية أو المسموعة حتى حلقات بتاعت النقاش بشكل متواصل. فقدر ما إحنا نغذي نفسنا محتاجين لأننا نعمل براكتس في شكل حلقات نقاش ونستفيد منها. فإذا من الشكر لكم. شكرا جدا. مشاهدينا نذهب لفاصل ومن ثم نعود للفقرة الأخيرة مع كويت أبا. La Léco sur Télé-Tchad et là nous sommes avec notre dernier invité et c'est la dernière rubrique également, c'est votre rubrique métier avec le célèbre coach de jeunes Abakar Moussa. Bonjour Abakar. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Et bienvenue sur le plateau de la Léco. C'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous en cette matinée. Merci, moi aussi. Et d'abord, qui est Abakar Moussa? Abakar Moussa, c'est un entraîneur de football. Oui. C'est un designer, c'est un teacher of English, c'est un aussi un photographe, c'est aussi un docteur. C'est le métier que je fais avec les enfants. Quand je travaille, moi, depuis plus de 10 ans, je travaille avec les enfants. Et puis jusqu'à là, on continue. J'ai un centre de formation de football qui est dénommé Eclipse Angou. Nous sommes situés dans le 4e arrondissement. Donc c'est tous ces métiers-là que je fais. Oui, Abakar Moussa, vu votre situation d'handicap, vous faites plusieurs choses à la fois et c'est ce qui vous a valu le surnom de Abakar Coach, le célèbre coach de jeunes. Merci. Est-ce que vous entraînez seulement les jeunes? Oui, j'ai travaillé avec les jeunes et les enfants. Maintenant, nous avons plus de 70 joueurs. Et on dans les votre enseigne. Centre? Yes, oui. Et on les enseigne la langue anglaise aussi. C'est important. Le football, là. Oui. Donc, on a mal à manier et à toi, Gila. Parce que moi, je vais
Ou une défi. C'est la tête en fait. Tête en Indadar, là, oui. Moi je vais réaliser. Aider. Hein. Moi je vais réaliser. Dorna Hagiga, Refane Algaifi, Rasida, Oland, Dorna Laip, Omabiga, Nagdar Nisei, Yato Agida, ma Yalat, ou l'objectif Agina Ndoro, Nalumu, Yalat, Anachad, Yalabal, je me suis bait, parce que football Agina Nagai, Marawa Yatu, quoi. هنا بكر والله هنا سعيدين جدا يعني انت بنفس المستوى ده انت شغال في كثير من الاشياء ده نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك تواصل في عملك ده فشنو خلاك انت تميل اكثر لكره القدم باسكي انا ندور نق او لايب انا فوتبول ندور نشاج فوتبول انا تشات ايوه مي ورا عندي مرض بوليو من صغير عندي سنه تقريبا اربعه كده مريت وبيت مش الحسن مش ده لكن انا ما كان يشوف عندي اي ليت ده ليميت ما عندي اي ليميت نقدر نسي شغل الندورة بالنية ولا كسل وبجهود وان شاء الله لازم يا يوروب انجلش يو هاف تو بيليف ان يور سيلف لازم تنتي كونفيونس لنفسك ولازم تاخذ مناس اللي عندهم اتوكو هدف هدف القدام يفكروا اسكو لغان ترافاي ما اسيستان غيدول C'est ça, il y a tout le même esprit, ou même il y a tout l'objectif. Quand on a un alumni, il y a tout ولا نادم جيك فينا ما في. كنت بكر يعني أنت حاليا يعني يا تلقى بحفزك أكثر عشان تستمر ما تجيف يا تلقى بحفزك أكثر عشان ما تسمع كلام الناس. صحيح نادم ألقاها حفزنا أكثر في بدا ماما أنا بس قد تنتيني كونسي اي مهم قدام بس ما تسمع كلام الناس وما تقعد في بيت ما تلب ناس كتير عندهم اولاد ما يقدروا يروحوا ولا يشوفوا ولا يسمعوا قاعدين في بيت لبودهم وده ما ينفعهم عندهم في قلبهم وفي راسهم شغل لازم خلي ايديهم جسك يجوا قدام اي شيء تقدر تسوي كنادم عندك كونفيونس فوق يو هاف تو بليف اند يو هاف تو دو وات يو وانت انا علمت على الاخوه ده في هنا بس في تشات عندي من 2016 جوسكا 2020 وخلاص في سنتر هكينا انا غني روم يالات كلنا بس غني كريم ساكت بس بليز دي سبعين يالات ده كانوا روم هاسي يقدروا يهاتشو عديل بس Est-ce que, Abakar, est-ce que vous avez eu des financements de la part du gouvernement à pouvoir vous aider à bien travailler au sein de votre centre? Bien sûr. L'Iguina soutient une ministère de la jeunesse et sport, où monsieur le ministre, ancien ministre Routouan, Mahmoud Atali Saïd, tous ces ministres-là, j'ai travaillé avec eux, au Bigonas Adiline. Moi, j'ai travaillé avec Nahir aussi. J'ai rencontré la légende africaine, Samuel Eto'o. Au Gama Hadjelechino, intimement, limite. لازم تمشي تواصل وتداوش لنفسك ولأهلك وللناس القديمة وتداوش لتشات كلام ده أنا غني جهود أنا غني شيف دف فوتبول أنا تشات ده يدور جهود ويدور قرص ما عندي سيسي ما عندي نستات أكاديمية ناس أو ما في وأنا غني شيف شاب أنا تشات ده ما غني تو كونفيانس لفوتبول ده هلا شغل غير دي سينا نكسلو زيادة غير ديكوراجاني وهسه ما يالق في السنتر يعني ما عندكم اي مشاكل مستمرين اديل يجوا في الوقت ما عندكم اي مشاكل ما عندنا اي مشاكل كان انت بس ديسيبلين عندك ده ناس كلها يقدروا يتابعوا ديسيبليني اول شيء ده لازم انا كم غنيجي سيانس ده بريمير شوز نجي في البيت نسي بلان اورغانيزاسيون نجي في تيرين كم جد تيجي وبالي على نجي بكلاندو ولا نجي بفوس اول انا على ده نشيف على التيران اسكيس هكريزي ولا ما سكريزي دا كل تشيل الشرج أنا أولاد بس كي أولاد ديجو من بيت آفي ولازم يجيب بالآفي وثاني شيء ده أس هنتي أنا جر قبل تقول تشان زت تصل اسكي أنت آفي وما عندك أورا وجرس عندك ولا ما عندك وال اسكي خطر ولا ما فطر أكل ولا ما أكل لازم تصل وعندي نساق أنا دو خاص يعني دو يلا عشان بالا لازم تحفظه ما كي بس تيجي تلعب وتمشوا عشان نحن نفكر اللي قدام كلام ده شك أسبوع ده نمشي سوق نبو دواء ده كله بيقولوا سنعين أنت كوتش يعني اليوم مدربين
كتار في العالم يعني انت قاعد تشوف تكتيك انا كود جنول قبل عجبك انت يعني انا ماني شايفها انا يورجن كلوب وفي تشاد كل عندنا كود دول قاعدين كثير لازم نهجوا فوقهم عندنا بودو كوتا كوتش انا سوال هسه قاعد كل عندنا ماما علمين وعندنا اخر كله كثير قاعدين وان شاء الله انا عندي اشم نقدر نقيلوا فوتبول انا تشاد ده كان قاعدين ترى اي واحد لي شيء انا نياغا وانينا شغل ناقص لنا فيس انت راجينا شو سبونسورين الوم دا قاعدين في سالنا هنا ما بيف هاد الهنا هم بجهدنا ولازم خلي يساعد فوتبول انا ندور منه سبونسور من انتربيس انا جد كلها من بنك موف افريكا من تو لي جون اللي يجوا لنا نترافاي باسكو انا الوم يالا نتشات ما ناس اخر وانا ما ندور منه شيء ندور نشارجي فوتبول انا تشات That's why we are trying. I would like to say something to the big one. Hello, nice to meet you. I'm really glad to see you, and I wish to have you one day in my football club. Thank you so much. شكرا لك. أين سعيد جدا يا سلام. من أبناء تشاد يتحدث اللغة الإنجليزية. إنجليزية، وااا. ça fait la fierté de notre pays et surtout la détermination de Abakar Moussa par rapport à sa situation d'handicap. Il est déterminé, il fait son travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage à vous. Voilà, merci. شكرا. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله. نوفو ديزون لاليكو.